Le nouveau générique de la Web TV PPF. Bonjour à toutes et tous. On est très heureux de vous accueillir ici à la base nature François Léotard, à l'espace CACO de Fréjus pour cette 8e édition de la grande finale PPF. Et j'ai le plaisir d'être avec eh bien, le grand organisateur de ce grand événement qui va lancer la saison 2021 de Pétanque, Pascal Marie. Bonjour Pascal. Bonjour et bonjour à tous. Le président de PPF. Pascal, il a fallu se battre hein, pour avoir les autorisations, pour que cette finale ait lieu. On y est. Tout va Oui, bien pour l'instant. tout va bien. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé les semaines précédentes. Et les semaines précédentes, nous avons, avec l'aide évidemment de la mairie et de l'office de tourisme, beaucoup travaillé pour que cette manifestation ait lieu, pour obtenir les autorisations. La situation, je dirais, sanitaire, très délicate, et a été vraiment une contrainte importante. Et nous avons tout mis en œuvre pour que justement nous respections à tous les niveaux et qu'il n'y ait pas de problème, évidemment, qu'il n'y ait pas de problème concernant la santé de tous et de toutes. Voilà, moi je suis ravi que nous ayons pu justement mettre cette manifestation en place. C'est la huitième, elle est un petit peu particulière avec tous ces événements, mais elle a lieu et nous pouvons être très fiers et très heureux. Alors justement, on a lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux depuis qu'on sait que cette manifestation va avoir lieu. Comme vous le voyez, Pascal et moi et toutes les personnes qui sont présentes dans l'enceinte de l'espace CACO, eh bien, doivent respecter un important protocole sanitaire. On va peut-être le rappeler, Pascal, pour bien faire comprendre aux gens que c'est vraiment une manifestation de haut niveau avec un protocole sérieux derrière Oui, à respecter. Hein. bien sûr, en dehors évidemment du port du masque pour tout le monde, des petites fioles de désinfectants, de gel, de gel ouais. hydroalcoolique ont été distribués à tout le monde. Et en plus, nous avons demandé à tous les participants, y compris nous, Oui. de passer un test PCR de moins de 72 heures pour justement aller au maximum sur la sécurité et ne pas ne mettre personne en danger. Ouais. Donc il faut, on le rappelle hein, vraiment, hein, puisqu'on a lu beaucoup de choses sur la différence entre des professionnels, des amateurs à la pétanque, hein, c'est pas vraiment le fondement de la question. Hein, c'est vraiment une manifestation de haut niveau avec des joueurs qui se sont qualifiés hein, lors des étapes de l'année, hein, donc ce que tout le monde peut faire. Tout à fait. Nous avons été obligés de modifier un petit peu, évidemment, puisque beaucoup d'étapes ont été annulées. Je crois qu'il n'y a eu que 5 étapes hommes c'est et ça. 7 étapes femmes ouais, c'est ça. Sur les 24 prévues, donc ça a été très peu. Donc nous avons décidé de remonter sur les 7 dernières années pour aller chercher évidemment ceux qui étaient dans les points. Et c'est avec ce calcul que nous avons mis en place, justement, ouais. Sélectionner les 48 joueurs. Alors justement, Pascal, tu en parlais, on a un plateau dû à ce calcul. Qui est absolument exceptionnel. Je crois que tous les meilleurs joueurs de France et même internationaux sont tout à présents. Fait. Nous, tout à fait. Nous voyons même des personnes qui n'étaient plus depuis quelques années avec nous, mais qui avaient engrangé des points, tels que Bruno Le Boursicot, qui ouais. est de retour, et ouais. nous en sommes ravis. Et je crois que le plateau, c'est difficile de faire mieux. Ouais. Je crois que personne n'a été oublié, puisqu'ils ont avec leurs points, et ils sont tous là. Ouais, donc sont... je pense qu'on va, et que vous, et qu'on va, et vous aussi, se régaler avec les parties que nous allons vous proposer. Alors justement, vous le voyez juste à côté de Pascal, le programme de cette journée, eh ben, à 13h30, on va démarrer donc dans 5 petites minutes par la première partie. Hein, ce sont les hommes hein, qui démarrent traditionnellement cette grande finale. Donc c'est des poules de 8e de finale en fait. Et donc on va vous proposer 3 parties hein, cet après-midi. Donc les 3 parties de poules. On essayera d'alterner entre les poules pour vous permettre de voir eh bien, plusieurs équipes hein, différentes. Et puis on terminera, Pascal, par la nouveauté. Hein. Donc ce soir, on a mis, vous voyez, pas avant 19h, ça peut être un peu plus tard, par la nouveauté. Triplette mixte. Voilà, qui remplace donc le tête-à-tête qui remplace le tête-à-tête, et c'est aussi pour faire honneur aux dames, hein, oui. évidemment. Et je crois qu'il n'y a eu aucun souci pour que les équipes s'organisent oui. et trouvent la personne toujours dans les points, mais... C'est une nouveauté, le triplette mixte, et j'en suis ravi. Et c'est une nouveauté qui a rarement été filmée, donc on est vraiment ravis de vous proposer. Il y a du doublette mixte filmé, mais du triplette mixte, c'est assez rare. Oui, et une grande chance, puisque samedi, avec la chaîne L'Équipe, ouais, ce triplette mixte va aussi être ouais, télévisé. Ça, c'est donc, une vraie, vraie grande première, hein, donc on peut vous féliciter d'avoir pensé à ça, hein, parce que ça va nous faire voir des choses un peu différentes. Hein, Tout je à pense fait. Qu'on n'a pas l'habitude
de voir. Et puis donc voilà, première partie dans 5 minutes. L'équipe de... La Dream Team, ouais. Presque la Dream Team. Le problème, c'est qu'on peut dire Dream Team presque sur toutes les équipes là. Donc, tout à fait, mais là on parle de Suchot, de Quintet, ouais. De Manu Lucien, qui vont donc affronter Tyson, Molinas, Ben Molinas et Pierre Morel. Voilà la première partie que nous allons vous proposer. Je peux vous assurer que le masque, c'est pénible, mais obligatoire. Ouais. Mais on va le respecter. Il n'y a pas le choix hein, de toute façon pour que ça se tienne dans de bonnes conditions. Pascal, merci, on est ravis, hein, tu le sais, nous d'être là, de pouvoir proposer à... Je pense qu'on va battre beaucoup de records d'audience parce que le public n'est pas là. Alors il y a 300 personnes à peu près qui sont oui, là. Nous avons obtenu une jauge de 300 personnes. Ouais. Je crois que nous ne les atteignons pas puisqu'il n'y a pas d'invités. Si, ça s'appelle du huis clos. Ouais. Voilà. Mais il n'empêche qu'on pourra quand même suivre ces parties. Ouais. Voilà, c'est le plus important. Voilà, restez bien avec nous hein, toute cet après-midi. Demain, grosse journée, hein, toute la journée. Et puis samedi matin, la chaîne L'Équipe va filmer certaines parties, mais on sera là un samedi matin pour vous filmer les demi-finales de la grande finale dames. Hein. Donc jusqu'à samedi à midi à peu près, on est avec vous toute la journée. Hein. Donc prenez bien rendez-vous pour nous suivre. Partagez l'info, parlez-en autour de vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de la pétanque inédite, hein, malgré à cause de la situation sanitaire. Donc je pense que ça va vous faire du bien à tous de revoir les joueurs qui vous ont manqué ces derniers mois. Et nous aussi. Et nous aussi, oui. Et nous aussi. Oui, parce que nous, on aime aller sur les étapes dans l'année pour parler avec vous, pour vous rencontrer. Cette année, comme l'a dit Pascal, on l'a fait vraiment à très très peu de reprises. Mais bon, il faut être solidaire de cette situation. Je pense en plus qu'avec le plateau que nous avons, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, qu'il peut y avoir, cette année, je pense que nous allons avoir de grandes surprises. C'est possible parce que les joueurs sont un petit peu à court de forme, forcément. Ils n'ont pas joué depuis un petit moment. Donc ça peut. Je pense. On peut avoir des choses. Il y a des équipes un petit peu inédites avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Ouais. On peut avoir des surprises. Eh bien, écoutez, on va le voir dans 5 petites minutes. Restez là, on ne va pas quitter le live. C'est Florian Noyer qui sera avec moi pour commenter cette première partie. Florian Noyer, on va en parler aussi, Pascal. Et à travers lui... La maison Eldera. Voilà, et tous les partenaires qui sont là, parce que pour organiser ça, il faut aussi des gens qui nous aident. Il faut des partenaires, il faut trouver, évidemment, la ville de Fréjus. Voilà, ils sont là, vous les voyez sur l'écran. Évidemment, que ce soit Anahom, évidemment, le Eldera, on vient d'en parler, la maison au but... Roxy, Maviva, le Clos des Roses, voilà tous nos partenaires qui nous aident parce que ce sont des manifestations, même s'il y a beaucoup moins de monde, mais c'est assez lourd. Ouais. Hein, vous allez regarder, vous allez voir le carré et le travail qui a été fait par Jean Cazal et toute l'équipe de la mairie. Donc voilà, on est ravis et comme à l'accoutumée, je dirais que le meilleur gagne. Ouais. Allez, Pascal, merci encore pour tout ce que vous faites. Restez bien avec nous, on va vous proposer des images du terrain. Et puis, je ne sais pas quelle heure il est exactement, mais ça devrait démarrer dans deux, trois petites minutes. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vous avez l'habitude depuis le temps, mais sur le live Facebook, vous nous laissez vos petits commentaires, on les lit, on répond si vous avez des questions à nous poser. Page Facebook, et puis si vous avez des amis par exemple qui n'ont pas Facebook, sachez qu'on est aussi diffusé sur le site de PPF, ça c'est aussi la grande nouveauté, donc vous allez sur pétanquefrançaise.com, voilà, vous avez toutes les infos, et voilà, si vous avez des gens qui n'ont pas vous de compte, vous cliquez sur le lien Web TV et vous retrouvez, c'est ça, pour que le plus de monde puisse nous voir. On se retrouve dans 2-3 petites minutes pour le début de cette grande finale. Restez bien avec nous, on coupe pas le live, à tout de suite. Merci. Allez, c'est le grand départ de cette huitième édition de la grande finale PPF
première partie de poule de la grande finale. Messieurs, vous le voyez, ils se sont installés et vous voyez leur nom, hein, dans les beaux maillots. Et si je parle de beaux maillots, c'est parce que celui qui les a confectionnés et qui les a floqués avec amour est avec moi, Florian Noyer. Salut Flo. Salut, bonjour à tous. Donc Florian Noyer qui est de la maison Eldera, un partenaire principal du PPF depuis de très nombreuses années maintenant. Ouais, depuis le début. Voilà. Et qui floque justement et qui fait tous ces beaux maillots. Vous voyez donc le nom des joueurs avec leur numéro. Manu qui démarre bien. Et donc, on se retrouve, Flo, pour cette première partie. Alors, tu vas nous éclairer de ton œil avisé de pétanqueur. Un grand œil. Mais s'il ne faut pas te sous-estimer. Non, on va peut-être découvrir en moi un nouveau talent de commentateur. Eh oui. Et on l'a dit avec Pascal tout à l'heure, il n'y a que des grosses oppositions dans cette 8e édition. Ouais, on a la crème de la crème. Ah ouais, vraiment. Et puis une petite nouveauté, vous le voyez sur notre scoreur en haut, vous avez le nombre de boules jouées, parce que vous nous l'avez souvent demandé sur les lives. On a réussi à mettre en place quelque chose, donc vous pouvez suivre le nombre de boules jouées. Et vous aviez raison, c'est vraiment quelque chose de qui vous facilite la diffusion, les diffusions. Allez, premier échec pour Tyson. Deuxième tentative, cette boule qui est derrière le but. Voilà, c'est bien joué. On sait qu'elles sont toujours un petit peu plus difficiles à tirer, ces boules derrière le but. Ça s'est bien passé. Alors on va vous parler au fur et à mesure de la diffusion des nouvelles règles, des mesures sanitaires qui sont prises en dehors des parties et pendant les parties. On le sait, on a été un petit peu attaqué pour la tenue de cette grande finale. Mais sachez que vraiment, et c'est pas des bêtises, vraiment, il y a un énorme protocole qui est mis en place pour tout le monde, c'est-à-dire joueurs et puis accompagnants. On l'a dit avec Pascal, il y a à peu près 300 personnes qui sont accréditées. Et tout le monde est logé à la même enseigne. Donc on ne peut vraiment pas faire ce qu'on veut et c'est tout à fait normal. Donc évidemment le masque, le gel, les tests PCR qui ont été obligatoires, qui sont pratiqués sur site. S'il y a un doute, on a d'autres tests qui sont pratiqués ici. Flo, c'était important aussi de respecter ce, ouais, je crois que ce protocole et il n'y avait pas le choix. Ouais, tout est fait de manière très professionnelle. Et puis après, c'est... Il y aura toujours des gens mécontents, mais faut prendre ça comme de la chance de pouvoir regarder ces belles parties de pétanque. On regarde du foot, on regarde du rugby, pourquoi on ne regarderait pas de la pétanque? Exactement. Aussi à partir du moment où les choses sont respectées. Donc ça fait plaisir de se retrouver là. Allez, vous le savez, sur PPF, on a les micros sur les joueurs, donc on va vous les allumer. Un par équipe, c'est Pierre Morel qui a le micro pour l'équipe de Tyson Molinas. Et c'est Emmanuel Lucien qui l'a pour l'équipe de Philippe Suchaud. Ça vous permet de les entendre discuter, de savoir un petit peu comment ils gèrent les mènes. Dommage, j'ai un bouchonné presque. Juste derrière le bouchon, je vais. Ah! Excusez-moi. Alors vous avez vu l'intervention de monsieur l'arbitre. Un petit peu depuis, tu jouais plus. On marque le cercle maintenant et on marque le but à chaque fois, à chaque déplacement de but. Il faut absolument le marquer. C'est manqué pour Philippe Suchaud. Non mais je suis pas bouchon, je suis juste derrière, je mélange tout. Deux fois là. Ah oui.
C'est bien d'avoir gagné deux fois. Je sais pas. J'ai voulu venir en face de la boule. Peut-être que le venir plus près, on fait tirer au moins. Mais bon, le problème, c'est que si on prend un petit carreau, mais ça revient exactement au même que ça. Allez, on a décidé de pointer. Il y a deux boules à deux. On a décidé de pointer. Ah, c'est superbe. Super. Alors là, c'est presque mieux qu'un carreau. Hein. Carrément le devant de boule pour Philippe Quintet. C'est ça. Fidèle à lui-même. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le jeu tiré. Pour moi, c'est pas le jeu. Oui, c'est le jeu. Mais en mettant le casse tout, il tire, il casse tout, il est pas perdu à la sortie. Ouais, après, tu peux gagner aussi, Ben. Qu'est-ce qu'on va décider? Non, pas ton jeu, tu joues le point nature, tu peux gagner. Tu peux taper dans la sienne, tu peux embouchonner, tu peux tout faire. Et la raison, c'est là, elle va nous protéger, celle-là. Hein? Tu veux jouer un peu plus fort que le jeu? Viens ici. C'est à nous, ça. C'est à nous, ça. On va le faire comme ça, là, Ben. C'est le jeu. Eh oui. Tu peux même taper dans celle-là. T'as gagné le point de camp. Allez, vas-y, si tu veux, Ben. Ouais. Vous l'avez entendu. On va jouer un petit peu face au bouchon. Hein. C'est vrai que c'est leur boule derrière. Ah, chose, c'est la boule de Pierre Morel qui est derrière. Et en touchant un petit peu le bouchon, eh ben, il pourrait avoir le point. Bravo. Bien joué, ça. Alors, il a peut-être... Essaye de taper. Il a décalé la boule, effectivement. Allez, dernière boule des deux côtés. Bravo. Superbe. Là, ça démarre fort, Flo, quand même, dans cette première main. Ouais, pourtant, les joueurs avaient l'air de dire que la reprise était difficile. Et oui. Et ils sont forcément un peu à court de forme. Et puis on se rend compte que dès la première main, ça joue du beau jeu. Ouais. Allez, dernière boule, on va tirer hein, pour Philippe Quintet. Eh ben, c'est pas mal. Eh ben, ça devrait faire un point. Hein. Ouais. Ouverture du score donc pour l'équipe de Philippe Quintet, Philippe Suchot et Manu Lucien. Perdu. Et donc 1-0. C'est vraiment sympa de pouvoir entendre la tactique des joueurs avec des équipes avec leur micro. Ça, on tient absolument à ce qu'elle soit là. Ah, il peut juste le gagner quand même non plus. T'es bien là, Manu. Mon point, il est comme ça en gros. Ah, oui. Après, t'as chauffé de l'autre côté. T'as fait plein dans la main, on a fait plein, on a joué 5 boules. Alors pour les nombreuses questions qu'on a sur les maillots, bah, Flo, tu vas peut-être pouvoir répondre. Donc qu'indique le chiffre qui est indiqué derrière leur nom. Si je me trompe pas, c'est le classement, c'est leur classement. Alors là pour le coup sur les 7 ou 8 premières éditions. C'est le classement en fait des 60, donc hein, chaque année pour pouvoir prétendre participer à la grande finale. Il y a une liste préqualificative de 60 joueurs. Donc qui dépend normalement des points réalisés dans l'année. Cette année, effectivement, ça a été un petit peu différent puisqu'il n'y a pas eu assez d'étapes et ça nous paraissait trop compliqué de qualifier des joueurs sur le peu de nombre d'étapes qu'il y avait eu. Donc on est remonté depuis l'historique, hein, depuis la première grande finale. Et donc, et ben, effectivement, c'est un classement des 60 sur les 7 dernières années, en fait. Mais oui, c'est le classement, donc ça va jusqu'à 60. Oui, il y a le drapeau des champions du monde aussi, s'ils le sont, champions de France. Sur le devant, au-dessus du logo PPF, il y a des étoiles qui correspondent au nombre de victoires. La petite nouveauté hein, de cette année, les victoires dans les grandes finales. Tout à fait. Et donc, ben, vous le voyez, sur le terrain, il y en a deux qui ont des maillots de champions du monde déjà, hein, Philippe Quintet, Philippe Suchot, évidemment.
qu'on ne présente plus. Non. Allez, bah deux superbes appoints de Manu Lucien. On le sait, hein, Manu qui est l'un des pointeurs de référence. Alors, on vous parlera un petit peu des jeux, hein, également. Si vous avez l'habitude de regarder la Web TV de la grande finale PPF, hein, on est dans l'espace CACO, qui est un immense hangar, en fait, qui servait pour l'aéronautique avant. Donc, c'est vraiment immense, hein. Et en fait, bah, c'est tout simplement la dalle, hein, qui est présente et où on a juste rajouté un petit peu de gravier. Donc c'est pas simple, hein. C'est assez dur comme jeu. Non, mais je crois que les joueurs apprécient ce type de terrain. C'est un jeu technique, ouais, hein, exactement. Faut se régler, mais... Allez, on a décidé d'y retourner après l'échec de Tyson. C'est son papa, Ben. Et c'est bien frappé. Bravo, Ben. Allez, on vous le remontre, hein, le replay que vous aimez tant aussi. Ah, t'es un peu plus vers toi. Ouais, il veut prendre le bouchon. De boules perdues, hein, dans cette partie depuis le début. Allez, Ben Molinas pour continuer à détruire les appoints d'en face. Allez, c'est bien tiré encore. Allez, un petit avantage de boule pour l'équipe Quintet. C'est la seule boule manquée de Tyson qui fait la différence pour l'instant dans cette main. Et vous êtes déjà très 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 nombreux, hein, près de 3000 sur le live. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos... Bah, ça manquait à tout, ouais, le monde. Ouais, ouais, c'est ouais. Ce qu'on disait avec Pascal. Hein, ça fait longtemps qu'on a fait de l'inédit, hein, en pétanque. Donc ça fait du bien. On est là, hein, jusqu'à... On est là jusqu'à samedi, hein, avec vous. Alors on vous rappelle, hein, le programme. Donc la première partie, c'est en ce moment. On enchaînera avec la deuxième partie de poule, 15h15, 15h30, hein, certainement. La partie des gagnants, on vous proposera certainement d'une autre poule, hein, pas de celle qu'on est en train de suivre. Ensuite, la partie de barrage. Et puis on terminera ce soir par la nouveauté, c'est le challenge Aviva, le triplet mixte qui remplace le tête-à-tête cette année et qu'on vous proposera. Ce sera la première fois, hein, qu'une compétition en triplette mixte sera filmée, donc je pense que ce sera intéressant de voir un petit peu comment ça se passe. Vous avez touché une fois le terrain déjà, et quand on touche un trou, on ne peut pas une donner. Donc juste qu'on touche le terrain qu'une seule fois. Et voilà, c'est aussi ça qui est bien avec les micros, c'est que vous avez entendu les consignes de l'arbitre. Il y avait eu deux trous rebouchés par Pierre Morel. Je trouve que c'est bien, c'est pédagogique, il y a une petite remontrance comme ça avant. Ah, superbe. Dangereux de tirer là. Ouais, c'est pour ça qu'il réfléchit. Ça est bien placé, ouais, cette boule de Pierre Morel. S'il est un peu court, il peut tout casser. Alors, je pense qu'il va y aller quand même, non? Ouais, on dirait. Et ouais, mais voilà. Philippe Suchaud, il n'y a pas grand chose qui lui fait peur. Hein. Et c'est même un carreau dans le but. Alors ça peut faire une énorme main, hein, pour l'équipe Suchaud. Tous les points par terre, hein, c'est l'équipe Suchaud. Il y en a 5 par terre, il reste une boule à une. Non, derrière c'est les 3 carreaux de... Ouais, pardon. C'est les 3 carreaux de Ben.
Donc il y a deux points, mais ça peut faire quand même. Ça peut faire trois. Ça peut faire trois, ouais. Alors que l'équipe Molina, ça a seulement raté. C'est ça. Une boule dans la main. C'est fou, hein. C'est ça aussi le haut niveau. Allez, Pierre Morel pour la dernière boule. Ah, il est resté un petit peu court, donc il en laisse deux. Allez, Philippe Suchot qui va essayer de rajouter. Il y a de la place hein, sur la droite. Voilà, superbe. Et bien, 3 points de plus pour l'équipe de Philippe Quintet. Qui va passer donc à 4-0 à l'entame de la troisième main. Alors, Flo, pendant qu'on a un petit peu le temps entre deux mains, raconte-nous un petit peu ce que c'est de floquer. Combien t'as floqué de maillots? Combien de temps ça demande? Ça prend un petit peu de temps. Ouais. C'est pas moi qui les ai floqués, c'est mes collègues. Un petit coucou à Anto et Dim. Qui ont passé du temps dessus, et puis les forfaits de dernier moment, tout ça, ça fait travailler un petit peu. Ouais, t'as pas eu de chance cette année, on a eu beaucoup de forfaits au dernier moment, ouais. Mais bon, on est aussi une marque de service. Il faut savoir que tu as floqué des maillots jusqu'à mardi après-midi. Hein. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pour le remplacement d'Émilie Vinière. C'est donc, ça. Donc chaque équipe, hein, on peut le préciser, a deux jeux de maillots, deux jeux de couleurs différentes. Ouais. Donc il faut gérer avec les tailles, les couleurs, et il faut pas se planter dans les numéros. Ouais. Oh, puis il y en a forcément toujours un petit peu dans le lot des erreurs. Ouais. On essaie de rattraper ça. Ouais. Ouais, superbe carreau de Tyson. Ah, et Tyson qui était resté, il y a beaucoup moins de place. Est-ce que ça va suffire? Ouais, a priori oui. Hein. Allez, on attendait de Michel Hatchadorian. Alors regardez, hein, vous le savez, cette année, une petite nouveauté également, on fait gagner un de tes maillots, Flo. Chaque jour, eh bien, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Il y a un maillot par jour, donc il y aura 4 maillots puisqu'on en a déjà fait gagner un hier. Donc voilà, les étapes, c'est d'aimer notre page PPF. Vous devez certainement déjà l'avoir fait. Allez également sur la page d'Eldera. Hein. Vous avez plein d'infos, plein de nouveautés. Hein. Vous pouvez découvrir tout le catalogue d'Eldera et puis de partager la publication. Et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort. Réponse lundi soir pour les gagnants. Tyson qui a deux carreaux. On a décidé d'essayer de casser un peu du point. C'est manqué, mais on va y retourner. Le bouchon derrière. Ouais, c'est ça. Ça peut éventuellement bouger. Allez, Philippe Suchot, deuxième tentative. Eh bien, c'est parti, mais le bouchon n'a pas bougé. Donc, le point est toujours pour l'équipe de Tyson Molinas. Il n'y a qu'une boule sur le jeu. Attention là. Hein. Ouais, 4 boules à 2. Ça pourrait recoller. Ouais, ouais.
Philippe Quintet qui avait mis sa boule juste devant le bouchon. Et puis un petit palais de Ben qui peuvent toujours poursuivre sur la grosse semaine. Ouais, c'est ça. Dernière boule pour l'équipe Suchot. Ils ont tiré sur 1,80. Parce qu'il a perdu devant, Nadji, là. Il est devant. Alors on coupe, hein, des fois les micros, on vous le met pas tout le temps. C'est pour ça que vous avez des fois des changements de son. On est pour en 4 ou 5, alors. Minimum. Parce que je veux des boules, voilà. Voilà. Ah oui, la plaque, j'ai pas vu la plaque. D'accord. Ou ça fait sauter ou la fait fuser. Allez, Philippe Quintet. Bon, de toute façon, il ne va pas la mettre trop près. Hein. On va tirer en face quoi qu'il arrive. Attention, Chris. Allez, il reste trois boules. Hein. Une boule pour Ben Molinas, deux boules pour Pierre Morel. Donc ça peut faire 4 ou 5. Hein. Bravo. Okay, ça, ben, faire 5. Ça devrait faire 5. Hein. Ouais, bravo. Allez, on va les faire jouer, mais il n'y a que leur boule sur le jeu, donc il n'y aura pas de souci pour Pierre Morel. Et bien, en une main, ils vont prendre la tête de cette première partie de poule. Pas le droit à l'erreur. Hein. Non, c'est ça. Envoie-le-toi. Je m'en fous, moi. Non, et donc, 5 à 4 maintenant pour Tyson, Ben Molinas. Et Pierre Morel. Et on va attaquer la quatrième main. Comme tu l'as dit, Flo, c'est le haut niveau. Donc une boule de perdu tout à l'heure pour Tyson et ça n'a pas pardonné. Ben là, c'est un petit peu pareil. Et c'est ça que vous aimez aussi, certainement. Alors, est-ce qu'il y a plus ou moins de 10 mètres? On va mesurer. Elle est juste. Hein. Ouais, je le fais bon, mais... Tu t'es trompé d'un pas, toi. Hein. Bah, vu le gabarit, c'est pas anormal. Hein. Je dis vu le gabarit, c'est pas anormal. Hein. Ah, j'ai marché, hein, juste... Ouais, ouais. Il dit, je le vois, il doit être bon. 10 mètres 80. Alors, il n'était pas bon. Alors, une petite précision également sur les buts. Chaque équipe dispose d'un but. Hein. Et c'est toujours le même joueur qui garde le but. Ça a été demandé au début dans le protocole. Donc, de telle façon que vous voyez là, le but n'était pas bon. Donc, Pierre Morel a repris son but. Et c'est Philippe Quintet qui a posé ensuite un autre but. À la bonne distance, voilà, ça fait partie des règles sanitaires qui sont mises en place pour cette grande finale. Allez, début de cette quatrième main. Ouais, superbe. Allez, là aussi, il y a possibilité de déplacement de but. Ah, il n'a pas pris tout à fait droit. Ça va beaucoup se jouer, Flo, je pense, sur la capacité des équipes à enchaîner les parties, parce que ça fait des mois et des mois que personne ne joue. Donc, il faut reprendre le rythme hein, de tout ça. C'est sûr. Surtout avec que des parties de haut niveau, là, forcément. Mais comme une partie. Ouais, il n'y a pas de petites équipes. Ouais. Forcément, quelques favoris avec des très, très grands noms. Mais... On a hésité hein, pour la première partie à vous proposer parce qu'il n'y avait que des belles parties. Donc, Les choix vont être difficiles. Oui. On va essayer de vous montrer un peu tout le monde. Mais il y aura forcément des gens qui auraient voulu voir une autre partie. Bon. Vous verrez quand même que des belles parties, ça on peut vous l'assurer.
Bravo. On est dans le tombé où il n'y avait rien. Tac, alors je te l'ai mis dedans. Mais il faut que je te le mets pas, tu montes en l'air. Les tireurs. Ça vaut pour les tireurs, hein. Ah bah oui, les tireurs, elle peut juste pas te tomber ça devant, tu fais caronnette là. Ah oui, c'était pas vrai. Aïe, t'as eu. Allez, Tyson. Bravo. Superbe. Tyson qui est désormais bien, bien dans sa partie. Ouais, ouais, ouais. Alors on va peut-être vous montrer, tiens, avec Swell, juste après la boule de Philippe Quintet, les affiches, hein, de cette première partie de poule. Pour cette poule et puis pour les autres poules, on va laisser Philippe jouer, puis on vous montrera, hein, pour vous dire qu'on a eu des difficultés pour choisir cette partie. Bien sûr, les résultats, vous les aurez sur notre page Facebook, hein, à la fin de chaque tour de compétition. C'est bien regagné. Ouais, mon ben. Voilà les affiches, hein, de cette première partie de poule. Puccinelli, Nalé d'un côté, Fournier, Philipson de l'autre. La poule qui nous intéresse, donc Suchot, Molinas. Et puis de l'autre côté, les tenants du titre, Moineau Feltin face à Damien Hureau. C'est une énorme poule. Hein. Et puis vous voyez les autres affiches. Et tous les scores, ben, vous les aurez au fur et à mesure de l'avancement de la compétition. Bien sûr, Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau sont là. L'équipe de Michael Bonetto, David Riviera, Jérémy Fernandez, Michel Achadori, enfin bon, tout le monde est là, hein, Flo, pratiquement. Qui n'est pas là? Ouais, c'est ça. Ah, au niveau du plateau, on le disait avec Pascal en avant-match, honnêtement, je pense que tous les meilleurs sont là vraiment cette année. Ah oui. En prenant en compte le classement depuis le début, forcément, ça fait revenir un petit peu des joueurs qui, les dernières années, qu'on voyait peut-être un petit peu moins, mais qui avaient pris des points sur les premières éditions. Donc, ben, voilà, vous avez la crème de la pétanque française et internationale, hein, puisque on a, par exemple, Diego Rizzi, on a Farah Ndiaye. Ouais, c'est la moyenne de points sur toutes ces années, donc ouais. Forcément, ça prime. Ah ouais, Philippe, rappelle-toi. Faudrait qu'il passe un peu le bouchon. Faudrait qu'il passe un peu le bouchon, pas pour la mienne. Bon, ouais. Ouais. Vous le voyez, petit avantage de boule pour l'équipe bleue. Ouais, qui était le coup d'avance pour l'équipe rose, mais une casquette et puis, ouais. Puis ça change la mène. Ça a renversé la mène, effectivement. Allez, c'est Pierre Morel qui aura cette bien. Dernière boule pour les roses. Alors, qu'est-ce qu'on va décider de faire? On va les écouter. Il n'y a pas de dernière, je peux bouchonner, je peux tout faire. Si je le gagne devant, je peux croiser le bouchon. C'est de le gagner déjà, c'est bien. Faire jouer la dernière. Allez, ben, on va décider de pointer. On va les forcer à tirer pour la marque. Hein, c'est tout à nous, ça. Pas tout à nous. Ouais, je crois, ouais. Ouais, ouais, nous marquer, bon, Fifi, là. Ah, je tire pour casser du point, quoi, c'est tout. Hein. Allez, 6 joueurs qui sont vraiment très très en forme, hein, honnêtement. Il y a une boule de manquer de temps en temps, mais il faut à chaque fois s'arracher pour marquer. Allez, Philippe Suchot, c'est fait. Alors. Un point, logiquement, si j'ai bien suivi. Ouais, ça devrait faire un. T'as bien suivi, Flo. C'est pour ça que tu es avec nous.
Eh bien, on recolle au score donc pour l'équipe de Philippe Suchaud. 5 partout et on va entamer la cinquième main. N'hésitez pas à continuer à commenter, à nous laisser vos messages. Vous êtes très 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 nombreux, c'est normal. Hein, il y avait de l'attente hein, de votre part pour suivre, suivre cette grande finale. Ah, t'as fait un trait devant et tu fais plus ça. J'ai dit ok, j'ai pas compris pourquoi. Ouais, c'est pas grave. C'est pas casquette, j'ai une grosse main encore. Eh oui, oui, il a raison. C'est ça. Attention. Hein Ben, je fais pas casquette, j'ai une belle main. Alors on rappelle, parce qu'on voit tous vos commentaires, il y a beaucoup de commentaires pour les histoires de protocoles que font les joueurs, les spectateurs derrière. Alors sachez que ce ne sont pas des spectateurs hein, que vous voyez dans les tribunes, ce sont soit des accompagnants des joueurs, soit des membres de l'organisation. Voilà, ce sont des gens qui ont été accrédités pour l'occasion et qui sont soumis aux mêmes règles hein, que les joueurs. C'est-à-dire le test pour tout le monde, le masque également. Donc il n'y a pas de favoritisme pour des spectateurs par rapport aux joueurs. Tout le monde doit respecter les mêmes règles. Et donc on vous l'a dit hein, avec Pascal, il y a 300 personnes hein, à peu près qui sont là, joueurs et joueuses compris. Hein. Donc en fait ça laisse à peu près 200 personnes hors joueurs, comptant l'organisation, quelques partenaires et les accompagnants. Donc ça fait vide, hein, c'est dommage Flo, en plus sur cette année où on l'a dit, presque tous les joueurs sont présents, le public nous manque hein, forcément, mais ouais, bon. C'est sûr qu'avec de telles parties, on aurait aimé un public qui applaudisse, qui crie, qui mette un peu d'ambiance. Ben oui. Mais bon, les organisateurs ont quand même fait encore un truc super sympa, un joli espace. Il y a un carré d'honneur qui est magnifique, qui est éclairé un petit peu différemment des autres années. Vous le voyez avec des barres qui sont utilisées pour les concerts notamment, donc ça donne une autre lumière. Vous avez les tentes pour les partenaires qui sont, vous le voyez là, sur la gauche de votre écran. Ça donne une autre orientation à ce carré qui est toujours aussi magnifique. Et c'est vrai qu'on l'aurait bien vu avec beaucoup de public derrière. Bon, on est déjà forcément très très heureux de pouvoir vous proposer ce magnifique spectacle. Boule importante pour Manu Lucien là, après là. Ouais. Le manqué de Suchaud. Alors pour ceux qui nous demandent si les masques ne sont pas obligatoires pour les joueurs pendant la partie, hein, c'est quand même difficile de jouer avec un masque pour tout sport. Certains joueurs ont décidé de le garder, ça c'est les choix personnels de certains joueurs qui ont décidé de jouer également avec le masque. Voilà, si vous apercevez sur vos images, sur les jeux un petit peu à côté, vous avez certains joueurs qui ont décidé de garder le masque. Pas manquer beau, hein. Grand chose à la boule de Manu. On va quand même tirer, hein. On aurait pu éventuellement pointer pour éventuellement jouer avec cette boule. On va tirer. Ouais, c'est bien frappé. C'est dommage parce que si je le gagne bien dans la boule. Oh, je ne me gêne pas moi. Je vais pas me gêner quand même. Hein. J'ai joué d'âme. Voilà, après c'est à peu près donc c'est pas grave. C'est pas grave, même que je suis à côté, je peux tirer un point. Ouais. Pas jouer là, si je pars là-bas, je joue avec.
Ouais, vous avez entendu Mireille Morel dire elle ne me gêne pas. Donc la boule de devant dont tu parlais, Flo, on va essayer de passer sur le côté. Elle est quand même bien dans le jeu. Hein. Attention. Pas court, peut-être aïe, aïe, aïe. Il est un peu court. Ah, ça. En plus, je venais bien. C'est forcément déjoué, enfin, ouais. Jouer différemment une boule comme ça. Tu sais pourquoi ? Donc juste la force, parce que je pense qu'effectivement, ouais, ouais. Y passer, y aller bien. Ouais. Et puis à la sortie, je suis pour. Voilà. Putain, réfléchis pas, mon vieux. Ah, elle est pas. J'aime pas. Je joue bien avec Bennett, sur Coupin. Alors que maintenant, il s'est pas un peu bloqué le jeu en plus avec sa boule en plus. Ah non, il faut tirer avant alors. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais c'est pas ça de tirer avant, c'est moi. Si je suis pas court que je suis là, je vais gagner moi. Tu viens ici, tu vas gagner. Hein. Eh oui, on joue le point. Oui, mais on joue le point, Ben. C'est interdit de tirer. Là, il fallait tirer avant, Tyson. Non. C'est pas le jeu, Ben. Ils sont pas d'accord. C'est pas le jeu. Oui. Pierre Morel qui a l'air d'être tu passes là, tu viens là, le décideur hein, dans l'équipe. Ah, attendez, les gars. C'est moi qui joue pas bien la boule, sinon il est dur à perdre le deuxième. Aïe, 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 il va être court aussi. La même boule pratiquement. Quel danger. C'est pas grave. Là maintenant, par contre, c'est bien bloqué. Hein, avec les deux boules, les trois boules devant complètement plein de jeu. C'est pas grave, je joue bien avec. C'est pas grave, elle est déjà la boule. Je savais pas que vous avez deux boules. Ah là, il y a un peu Mais t'as raison, mais la tentation d'envoyer un peu fort hein, dans une des deux boules pour essayer de faire quelque chose. On va voir. Il court encore. Les trois mêmes boules pratiquement, ils ont joué. Aïe aïe aïe, c'est dommage. C'était en avance de boules. Ouais. Ah oui, ils avaient même une bonne avance là. Ils avaient deux boules d'avance et maintenant ils vont se retrouver avec deux boules de retard. Je sais pas si Ben n'avait pas envie de tirer. Ouais, c'est ça. Ah, ils n'étaient pas d'accord. Donc après, effectivement, on dit qu'il faut pas casser le bras hein, d'un tireur. Donc bon. Allez, c'est fait. Il a dû rentrer, Tyson, je pense. Je suis pas assez spécialiste pour pouvoir le dire, mais certains joueurs avaient l'air. Ne te sous-estime pas. Avaient l'air de dire que c'était quand même un terrain pour le jeu d'attaque aussi. Ouais. Alors, plus de boules hein, pour l'équipe Molinas. Deux boules pour Philippe Quintet. Elle n'est pas facile à tirer quand même, hein, cette boule. Un petit peu à la sauter au milieu des autres. On a vu d'autres, hein, Philippe Quintet. Et aïe, 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 ça va peut-être pas suffire. Alors vous le voyez, elle est complètement à gauche la boule. Je pense qu'ils ont encore le point, mais maintenant elle est quand même un petit peu plus facile à tirer. Et c'est ça. Allez, deuxième frappe pour Philippe Quintet pour prendre la tête et mener 6 à 5. Et ouais, c'est bien fait. On va vous le remontrer. Et donc un point de plus pour Philippe Suchot, Philippe Quintet, Manu Lucien. C'est serré, hein. Flo, début de la sixième main, il y a eu deux grosses mains inversées. Et puis depuis, ça ne se joue pas grand-chose. Je pense que les roses peuvent s'en vouloir sur cette main, ouais, quand même. C'est clair. C'est une tactique d'équipe. Allez, il faut oublier. On passe à une autre main. Ils en ont pris qu'un hein, sur la main, donc c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que ils auraient pu prendre un peu d'avance. Allez, Manu Lucien, qui on le sait aime bien aller voir le jeu.
un peu long. Ouais, attention, on a le chef, le secrétaire général de PPF qui nous surveille, hein, Flo. Le grand Fabien Sgarra qui est là, que vous retrouverez aux commentaires également. Il parlera plus que moi. Ah bah, c'est-à-dire qu'après on peut plus parler, hein, quand il est là. Il n'entend pas ce qu'on dit là, donc c'est pas trop grave. Mais il parle bien quand même. Mais il parle bien, ouais. Ça, on est obligé de lui reconnaître que s'il n'était pas là, il y aurait un manque, hein. Ah, super, Pierre Morel, il y a un super duel de pointeurs, hein, aussi entre Pierre et Manu Lucien. Je sais pas s'ils ont perdu beaucoup de boules tous les deux. T'as raison. Alors, on a quelques commentaires sur Facebook par rapport justement aux commentaires qui s'affichent. Vous savez que vous pouvez enlever les commentaires qui s'affichent si vous voulez vivre votre partie en plein écran et pas être dérangé par tout ce qui s'affiche. Vous glissez un petit peu les commentaires sur la droite, hein, sur votre écran. Vous les glissez sur la droite et du coup, après, vous avez l'image. Ah, super, Manu. Sans rien. Et Manu qui s'en veut de sa première boule un peu forte derrière, sûrement. Ouais, ils ont un niveau d'exigence envers eux-mêmes qui est... Ouais. On a dû louper un point parce qu'apparemment il y a 7 à 5. Ah. Donc on va le rajouter. Ah, désolé, si je rentre d'en bas, tu peux retirer. Hein, je sais pas quel point on a manqué. Moi non plus, j'arrive pas trop à voir, mais bon. Sachez qu'il y a un écran géant, hein, mais qu'on ne voit pas nous d'où on est placé pour les quelques personnes qui sont dans les gradins et partenaires pour pouvoir suivre tous les résultats en même temps. Celle-là, où elle est, Bon, c'est pour dire mal joué, là, ce qui veut dire Pierre mais Morel. Non, je peux y aller. Elle est juste un peu courte. Hein. Je suis en plein milieu. Non, mais je suis en plein milieu quand même. Ouais, et vraiment. Elle est en plein jeu. Roi. Ouais, c'est un contre 5, il faut que les deux partent, c'est sûr. Après, tu peux la jouer tranquille, la mienne aussi, hein, si tu as bien tiré la sienne. Allez, si tu veux. Allez, mon Ben. Je suis en plein dans le jeu, moi. Hein, elles sont presque toutes alignées, ces boules, ouais, sur le jeu. Et c'est vrai que il faut passer d'un côté, mais elle a choisi le côté droit, apparemment. À gauche pour vous. Hein, ah ben, il avait choisi le côté droit, mais elle est passée de l'autre côté, et elle a même peut-être gagné. Ouais, elle a l'air. Ouais. Tu gagnes, non? Pas sûr. Ah, je crois qu'il va falloir mesurer. Et moi, j'irai maintenant. Non, alors elle n'est pas gagnée. Il va essayer de bien la tirer, on n'est pas mal. Ah, je vais pointer. Ils ne sont jamais d'accord. Ben et Pierre Morel. Ben, il faut forcer le coup, il est 5 à 7. Ouais, mais bon, si elle fait le coup, on ne peut pas nous refaire encore. Là, on en a une belle devant. Ils ont combien de boules? Il y en a une belle derrière, Abidine, il faut la garder, c'est ça. Ouais. Ouais, mais c'est un peu en deux, tant pis. Ouais, c'est vrai. Oh, cette fois, c'est Ben qui a eu le dernier mot. Ben qui a gagné. Il y a 4 boules en face, hein, pour les deux Philippe. Après, attention, hein, ils peuvent vraiment prendre le large là dans cette première partie.
Bien joué ça. Ça n'a pas gagné, mais disons qu'il a bien, il a bien fermé quand même là maintenant. Les Philippe seront obligés de faire du tri. Oui, oui. Il va falloir. Hein ? Vous voulez pas tirer ? Non. Attends, Jason. Ouais. 4. Bon, on va essayer de serrer encore un petit peu plus. Ça change. C'est juste si moi je rentre, on tire. Hein ? Ah, si tu rentres, tu auras un. Faut pas faire face au bouchon, c'est ça, c'est ce que vient de dire Pierre. Mmh. Donc c'est gagné, mais des fois c'est pas le bon plan de gagner. Et non, là, c'est ce qui est grave encore, c'est que tu tapes la boule et tu te donnes en devant de boule quand même. Alors on va les écouter tous les trois. Hein, faut tirer à celle qui vient d'arriver, non? Parce que si des fois ça monte un peu, non? Hein, Philippe, boule importante pour Philippe Suchot. Ah oui, ça peut. Ça peut faire un très gros écart après. C'est pas possible quand même de. Il a juste, elle est juste sautée hein, en même temps, mais du coup, il a carrément décalé le but sur le côté. Il s'excuse, hein, Philippe Suchot, mais bon, ça fait partie du jeu. Ah, tout à fait. Donc, forcément, là, c'est un peu plus simple hein, pour passer. Maintenant, le jeu est bien ouvert sur la gauche. Alors combien ils ont de points? Est-ce qu'ils ont le point déjà par terre? Hein, imagine-toi qu'ils touchent un peu le bouchon, c'est aussi bien. Non? Ouais. On t'en perd 3. Je pense que le point est au rose. Ouais, ça doit être la boule de Pierre Morel qui est entre les la boule noire, la deuxième en partant du bas. Ce que lui disait Manu Lucien, s'il touche le point, par contre, c'est la boule de Manu Lucien hein, tout au fond. Ah, il va être court. Pas bien piqué, elle est partie aussi bien sur la gauche. Dis, je tire à deux, c'est sûr qu'il tire à deux. Mais... Si. Hein? Ah bon? Non, il tire. Philippe, il dit qu'il y a gros là-bas, la blanche. Ah, ouais, donc. Ah oui, alors il y a un souci avec les maîtres aussi, c'est que. Il est là. Ça qui ça? C'est à vous? Il va le point. Il faudrait que chaque équipe en fait ait son maître, mais c'est un petit peu compliqué puisque les arbitres ne prêtent pas leur maître. Donc ça sera les arbitres hein, qui vont mesurer à la place des joueurs du coup. Alors du coup. Du coup, ils ne vont pas tirer. Non, c'est ça. Les deux. Allez, Philippe, allez, gagne-moi-le celui-là. Deux, là, tu manquais, t'avais le point par terre. Allez, Philippe. Tu peux en tirer un peu contré. J'ai vu qu'il était court à la main. Quand elle est sortie de sa main, j'ai dit, allez, court. Même si c'était dur, au moins, c'est pas pour moi, mais là. Bah après, une fois que j'ai fait ça, non, c'est pas mal. Il fallait tirer. Moi, je tire même pas deux. Non, ça sert à rien. Allez, deuxième tentative pour Philippe Quintet. Celle-là, elle est mieux. Il ne se rate pas deux fois. C'est ça. Il a corrigé un peu le tir. J'ai vu à la main, t'étais court. Ouais. Allez, bah ça fera une main un peu moins grave que ce qui aurait pu arriver. Finalement, ce déplacement de but a pas eu trop de graves conséquences. Puis les Roses avaient bien fermé. Ouais. Bien fermé le jeu quand même. Mais ils vont certainement passer quand même à 8 ou 9, ouais. Donc. Ça commence à être. On s'approche de la fin. Oh là, il est pas dans le jeu, Philippe Suchot. Ça fait vraiment pas cher. Non. Allez, là, on en est sûr. Hein. Ça fera un point de plus pour. Pour Quintet, Suchot, Lucien, qui prennent donc trois longueurs d'avance face à Tyson, Ben et Pierre Morel. On va attaquer la septième main de cette première partie de poule.
Bientôt une heure de jeu. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser tous vos commentaires pendant le direct. Vous êtes presque 3500 là actuellement en direct avec nous. Et ben, vous nous laissez vos commentaires, vos questions si vous en avez. Et puis pour avoir toutes les infos, hein, vous le savez, c'est notre page Facebook. Vous aurez les résultats tout à l'heure. Et tout ce que vous voulez sur cette compétition. Philippe aussi. Il y a une ambiance particulière, on sent hein, que les joueurs sont contents de se retrouver, de se confronter aussi, ils ne se sont pas vus, hein, ils se voient tous les week-ends hein, pratiquement dans l'année, là ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, donc tout le monde est vraiment content d'être là hein, je pense. Ouais, et puis ça fait depuis août je crois qu'ils n'ont pas joué de grosses compétitions, puis là ils attaquent directement par peut-être ce qui se fait une des choses les plus grosses en France au niveau de la pétanque. Ben ouais. C'est toujours la compétition qui lance l'année hein, traditionnellement, mais disons qu'elle a d'habitude, elle n'a pas été coupée autant que ça précédemment. Donc là, c'est vraiment un vrai lancement, on va dire, cette année. Bah ouais, je veux. 5 à 7. Ah, comment je fais par-dessus ? 5 à 7, mais bon, il n'en a pas. Nouveau, lui. Oh là là, alors. Il se peut qu'on soit. Ah non, c'est fini à côté. Vous avez peut-être aperçu le but qui est passé. Moi, il dit qu'il faut jouer, alors. Sur le jeu, bah, victoire, on peut vous le dire, de l'équipe de Michel Hatchadorian, Maison Durk et Philippe Pietri. Hein, dans la poule à côté, vous les avez aperçus. Puisque Angie Savin, Chris Elfric et Vigo Dubois tiraient le but et qui n'ont pas réussi. Vous voyez le bouchon là-bas, c'est parfait. Il faut qu'il route. Allez, mon paille. Manu Lucien qui poursuit. Un appoint parfait. Il les joue en demi-donne. Hein, on connaît l'envoyeur Manu Lucien hein, qui peut les envoyer au ciel pratiquement. Et là, bah, il les joue demi-donne. Mais ça fonctionne aussi. 5 à 8. 5 à 8. Allez, il a fait un peu de place, Saison, mais il va falloir rejouer. 5 à 8. 5 à 8. Oh, 5 à 10. C'est chaud, non ? On est 5 à 8. Combien ils avaient mis ? Ah oui, c'était mieux. Alors, il y avait écrit 5 à 10 sur l'écran géant. C'est pas nous hein, qui gérons l'écran géant. Et c'est un peu compliqué. Il faut suivre toutes les parties en même temps. Il y a 4 parties sur ce carré-là. Il y a 4 parties sur le carré bis qui est un petit peu plus loin. Allez, c'est gagné, mais il est resté court, Pierre Morel. Moi, je peux jouer sur le côté. Hein, comme vous voulez, moi, si vous voulez tirer, par contre, c'est pas déchoué. On est 5 boules en main contre. Allez! Essayez de pas le perdre. Je crois que les bleus attaqueront n'importe quelle boule qui reprendra. Ça risque de se présenter comme ça, oui. Alors du coup, où est-ce qu'il faut les mettre ? Si on les met trop près, il risque de prendre un carreau. Ouais, Philippe. Il y a combien de boules ? On revient pour lui. Elle est sortie. Elle est passée, mais elle est sortie. Donc celle-là déjà elle comptera pas. Allez mon Ben. 3 boules à 3, 2 points par terre pour les bleus. Ouais. Bien. Ça peut être une mène de gagne hein, pour l'équipe Suchot en tapant et en restant à chaque fois. Sont capables.
Je pense qu'ils essaient de mettre le but un peu dans le coup, hein, l'équipe de Tyson, pour éventuellement provoquer un déplacement ou une sortie de but, parce que sinon... Allez, Philippe Quintet. Ah, c'est manqué. Je vais porter la poisse. Autant il pointe, t'as vu, il pointe sur son dos. Ouais, c'est jamais. Ah ouais. Ouais, ouais. On voit que c'est au tir que les joueurs ils ont un petit peu plus de difficultés au point, ça pointe vraiment très très bien. Ouais, c'est vrai qu'ils se sont bien, hein, se sont bien adaptés au terrain. 5 à 8. Oh là là, ah, c'est superbe. Tout à l'heure, il est même de 5 à 8. Qu'est-ce qu'il a fait, Ben? Alors attention, vous le voyez, hein, le but qui est bien collé là, la boule de Manu, ça risque de se déplacer un peu. Il y a la boule de Pierre Morel tout au fond. Voilà, mais là, c'est la boule de spécial, Philippe Suchot. Là, c'est la boule de Manu Lucien, c'est le premier à point. Donc le point est toujours pour les Bleus. Une boule à une. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre le point, est-ce qu'on essaye de... C'est incroyable. C'est incroyable. De se coller peut-être à la boule, d'aller dans le but, parce que c'est vraiment la boule de Pierre Morel après tout au fond. Mouchonne. Ah, c'est pas mal. C'est spécial, ouais. Les boules. Alors pareil, il tire l'opé de la boule, il tape. Allez, dernière boule de marque pour Philippe Quintet, pour continuer à avancer dans cette première partie de poule. Heureusement, c'est spécial. Je joue pas d'avis boule. Ah, c'est bien joué. Ouais, bah, c'était bien joué de la part de Ben Molinas. Heureusement que t'as un bougeonnet. Et bien personne ne marquera dans cette main. On reste à 8 à 5 et on va attaquer la 8ème main et on atteint bientôt l'heure de jeu dans cette première partie. Non mais c'est Tyson, Agnew. Ah ouais. Attends, il fait carreau Tyson. Après la bijou, il a bougeonné sur le côté, mais bon. C'est pas, t'es pas obligé toujours de. S'il va plus loin. C'est à moi derrière. C'est plus, ouais. Il est dragonné. Oui. On assiste à une belle première partie. Ouais. Magnifique. On joue relativement loin de toutes les mains. On est au-delà des 8-9 mètres, hein, pour l'instant. Alors on sait que Manu aime bien envoyer, aime bien. Quand on joue bien. Les distances un petit peu plus longues. Cette boule, et pas ça, c'est que si tu prends plus fort, enfin plus fort, tu fais bougeon vers la mienne au moins. Tu vas dans la marque. La casquette aussi. Tu vas bien faire. Tu vois ce qui se passe en deux-mêmes. Non, c'est comme ça. T'as vu là, il a tout manqué, t'as vu dans le bouchon. Ouais, superbe. Attendez un peu, on va le tirer là. Ah, j'ai bien la mienne, j'essaie de bien la jouer. C'est de perdre au bras, si je le gagne, c'est bien. Pas beaucoup de place, hein, donc elle est un peu derrière certes, mais pas facile à gagner cette boule. Je toujours trop, il manque toujours parole. Hein? Ah ben il est bien. Ah oui. Et bon, celui-là, gros, il va tuer après. Donc 10.
pointe. Il est un peu en difficulté Pierre au point là depuis quelques mènes. Ouais, puis Tyson qui vient de manquer ouais. Aussi ça. Porte un petit peu avec du retard dans la mène. Voilà. Aïe 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 aïe. Je vais pas pointer un mille. Hein, ah, ils sont pas d'accord hein, depuis quelques. Oui. Depuis le début pratiquement, ils sont souvent en désaccord sur la tactique. Mmh. Ouais. Voilà, j'ai fait ma main. Alors il y a toujours le but qui est un peu devant, hein, on sait jamais. Allez attention, c'est la quatrième boule hein, déjà qui arrive pour les roses. Il est entre les deux, Tyson. Aïe aïe aïe. Attention, danger. Ouais, ouais, ouais. Gros danger là. 5 boules en face encore après. Huit. On est pareil en vrai. On est 5 à 8 là ce qu'on va faire. Hein ? Oui. Ah oui. Allez mon ben. Bon, je retire la boule. Hein ? Ah. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu, mais Tyson a conseillé à Ben de tirer le bouchon. Hein. Je crois que c'est ce qui va se passer. Il a qu'une boule hein, pour le faire. Ouais, après, c'est vrai qu'il reste deux boules. En serrant un petit peu le jeu, il faut qu'il fasse 5 points en face. C'est un choix. C'est leur choix. Hein ? Ouais, bah, ils vont tirer le bouchon, hein, je crois. Allez, vas-y. Y'a pas de problème. Tyson a convaincu son papa. C'est cela, oh. Allez, une boule. Alors. Oh. Ça va. On l'a bien vu le carton. Hein. Donc c'est pour dépassement de temps. Hein. Si vous n'avez pas entendu. Donc carton jaune collectif. Hein. Pour les trois joueurs. Allez, boule très très importante là pour Ben Molinas. On tire le bouchon pour rester en vie dans cette partie. Oh, oh, ah, c'est bien fait. Superbe. Là, on va vous le remontrer si on peut. Bravo. Parce que c'est pas facile à faire. Il l'avait dit hein, comme ça à la RAF. Regardez. C'est pas grave. Et voilà. C'est pas grave, mais c'est là. Superbe. Il est pas monté assez haut. Non, mais il est pas monté assez haut. Ben deuxième mène où il n'y a pas de points. On reste à 8 à 5. Mais là, pour la confiance, Flo, ça fait du bien ça. Hein, parce que quand on est. On a presque perdu une boule pour le faire et on y arrive. Ouais, parce que si ça avait été manqué, c'était quasiment la fin. C'est des bons points ça devant les gars. Ils n'auraient pas pu s'en sortir, je pense. C'est le moment qu'on reconnaît les grands joueurs aussi. Ouais, Tyson qui a bien fait de convaincre Ben de prendre cette option. Et bien toujours 8 à 5 hein, du coup. Et on doit être à 9m50. Hein. Vous avez vu Tyson mesurer, on est encore à la limite. J'ai pris la boule annulée carrément. Oh, ben, quoi tu prends pour gagner? Le mec est mauvais quand même. Ouais, Manu qui continue lui par contre. Allez, on vous remontre, il a raison, hein, Soel, de vous remontrer, parce qu'on vous remonte souvent des ralentis pour le tir, mais le point c'est. Du grand Manu Lucien. C'est tout aussi important. Et Manu Lucien. Eh ben qui. Il pousse Tyson pratiquement à chaque fois dès le départ à tirer. Ah oh, super magnifique. Ah bah je crois que celui-là on va vous le remontrer aussi. Elle n'a pas bougé. Et ben allez, ça peut être une main qui les relance. Voilà, superbe.
pourrait y avoir beaucoup de replay dans cette partie. Alors, vous voyez Philippe Quintet qui est en train de parler à monsieur l'arbitre. C'est poli, lui. T'as vu comment tu penses, toi ? Ah, c'est gagné. Ah, j'ai parlé trop vite. Un poil court. Il manque un petit tour. Mais il était encore super bien joué, hein, cette boule. Allez, ça peut permettre à Philippe Suchot de tirer parce que cette boule, elle compte derrière. Allez, Philippe Suchot. Oh la casquette. C'est dur, hein. Est-ce que ça suffit ou pas? Est-ce qu'il l'a fait assez reculer? On dirait pas, hein, il bouge pas. Non. Bah allez Philippe, essaye de faire quelque chose. Allez Philippe Quintet qui va certainement s'aider un petit peu de la boule de Manu Lucien devant, hein, qui le guide. Il l'a contourné. Et puis elle va être sympa à tirer. Elle n'est pas facile à tirer, oui, en plus. Regardez, hein, il jouait sur la droite, hein, je pense, Philippe Quintet. Elle a piqué, elle est passée de l'autre côté. Oh, devant moi, je tirais devant moi. Allez, vas-y, ouais, tu cours. Allez, garçon, sur moi, la casse. Allez, petit, faut profiter. Apparemment, on va tirer la boule qui tient. Hein. C'est vrai que la tentation, c'est de tirer la première boule pour tout faire éclater. Et Tyson est plutôt parti pour tirer à la sauter. Eh ben, c'est bien fait. Bravo. Il l'avait annoncé. Bon, super. Bravo. Bien garçon. Ça va bien. Et du coup, c'est les Roses, hein, qui ont repris l'avantage dans cette main. Ça fait longtemps, hein, qu'ils n'ont pas été en position de pouvoir marquer. Ouais. Ouais, Fifi. Après, il suffit que Philippe rentre, rentre la boule de devant, rentre à deux points et puis ça peut faire. Ouais, exact. Ça peut. Je pense qu'il va réussir de jouer, hein, comme tout à l'heure. Il avait mal piqué, mais c'est pas dit que ça se représente maintenant. Aïe, 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 il s'est un petit peu enterré. Enfin, c'est pas de la terre, mais il s'est un petit peu arrêté. Ça sera pas simple de la rejouer maintenant. Et ben, c'est une belle main là pour les Roses pour recoller un petit peu au score. Ouais, comme tu le dis. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas eu cette opportunité. Mais bon, si je le gagnais, c'était bien. Allez, dernière boule, hein, pour les Bleus. C'est Philippe Suchot. Alors, est-ce qu'il va ? Ouais. Moi, je joue pas une boule. Eh ben non. Comment facile, hein. Eh ben, le point par terre, trois boules pour terminer. Ils peuvent même en passer devant s'ils jouent bien toutes leurs boules. Il y a un peu de place, hein, sur la droite. Allez, on sent que c'est ce bouchon, hein, qui les a remis, c'est vrai qu'on le dit, hein, souvent, hein, c'est pour la confiance, c'est important. Et Tyson a pris ses responsabilités, il a convaincu Ben de tirer ce bouchon. Et puis, et ben là, une belle main qui se présente. Allez, il faudrait que Pierre Morel, pour sa confiance aussi, arrive à rentrer. Ça fait quelques mains qu'il a un peu de difficulté au point. Ah, superbe. C'est bien joué. Allez, ça doit faire deux, hein. Il a bougé un peu le but, mais je pense que ça ne change pas grand-chose. Ah. Alors là, il a peut-être écarté la... Non, ça n'a pas l'air. Il me faut
fois ça mal quand même. Ouais, il faut forcer. Hein ? Et bien il y en a déjà 3 par terre, hein, et donc ça peut faire 5 de plus maintenant. Allez, Ben Molinas. Il les retient les boules. Ça va ? Eh ben ça suffit. 5 à 8. 5 à 8, filmé, ça fait 10 à 8. Ouais, c'est bien ça. Donc il y en a bien 4 déjà. Elle paraît bien écartée pourtant cette boule là complètement sur la droite, mais ça compte. Allez, dernière boule pour éventuellement rajouter un cinquième point. Bien, bravo. Eh ben c'est fait. Ah ben voilà. Main ça pleine. C'est une main qui fait du bien, hein, quand on joue. 5 points de plus pour l'équipe de Tyson Molinas. Et voilà, ben j'allais le dire, il me l'a enlevé de la bouche, Manu. 2 mains de 5. Et donc 10 à 8 maintenant pour les roses. Bon, je vais prier, non ? Ah oui. Ah oui, quoi qu'il se passe, ça mange un peu. Hein ? Hein ? J'ai compris, normal. Ouais, c'est 50. Hein. Alors, on est encore pas prêt. Hein. À 11 mètres. Sois bien, s'il vous plaît. Ouais, je crois qu'on va regarder parce que, à mon avis, il est peut-être un peu long. Mais. Allez, Pierre qui va réessayer. Allez, en attendant, on va peut-être vous rappeler que vous pouvez nous laisser vos commentaires sur la page Facebook. Bon, ouais. Donc, Passion Pétanque Française. Vous pouvez aller également sur notre site live.pétanquefrançaise.com. Hein, si vous avez des gens par exemple qui n'ont pas de compte Facebook, vous pouvez regarder les directs en ligne. Et puis pour cette année, on vous propose également de gagner des maillots. Donc c'est des maillots des années précédentes, hein, de grands champions. Donc on vous laisse la surprise, hein, vous les recevrez chez vous, mais on peut vous dire que c'est que des grands noms, hein, de la pétanque. Donc on vous a publié ça ce matin. Vous partagez la publication, puis vous allez sur ta page, Flo. La page Eldera. Je vais faire le fil quand même. Et vous partagez tout ça. Et le tirage au sort sera effectué lundi. Et vous pourrez gagner peut-être l'un des 4 maillots qu'on met en jeu à l'occasion de cette grande finale. C'est ça. Allez. Et voilà. Ouais, super. Ça va bouchonner. Hein ? Faire un bouchon. Ah, dommage le bouchon. Aïe aïe aïe. Et on a essayé de raccourcir, hein, pourtant pour faire la main d'attaque, mais. Ah, c'est dur, hein, quand on a joué tout pratiquement entre 8 et 10 là, de raccourcir comme ça. Ouais. Ah, comme vous voulez les gars, je peux venir la mienne. Je veux dire, je vais t'expliquer, si je viens même pas gagner, que je le perds bon. Ah ben voilà. Allez garçon. Raison. Allez, on attaque et on a une boule de plus, donc quand on est à 10, ça peut être important, superbe. Le manqué de Philippe Suchot pourrait coûter cher. Moi, c'est ça. Je suis fait compléter, moi. Donc, oui, t'as pas encore activé mon bouchon. On va essayer d'embouchonner, hein, maintenant pour Manu. On va essayer de forcer un déplacement, une sortie de but. Le début de la partie, il finit rarement très loin du bouchon, donc. C'est ça. Ben, elle est encore, ben, vous le voyez, en plus sur cet angle-là, on voit bien que le but est pas très très loin.
aïe. Il a fait un peu de place, mais il n'a pas fait passer. Allez Fifi. Allez vieux. Allez. Un Philippe en remplace un autre au tir. Philippe Quintet. Ah ça arrive. Superbe. Allez, belle flûte le fond. Bien. Je peux encore embouchonner gros. Super. Allez, c'est gagné, pas comme trop près du but. Vous qui voyez, si vous avez envie de tirer, il faut y aller. Allez voir. On va continuer. On est repassé avec l'avantage de boule pour les bleus maintenant. Donc ils ont la main de marque. Aïe. Il est un petit peu court Philippe Quintet. Avantage à pas mal changer de camp dans la main. Oui. Il fait des pizzas, il dit rien, et moi il me prend à chaque fois. Et pas bon. A priori, elle est un peu forte cette boule de Manu Lucien. Et ben de 5 à 8, il y a une main. On pourrait passer maintenant à 12 à 8 pour les roses. Dernière boule pour Ben Molinas pour rajouter sa boule de devant qui va le guider, hein, certainement. C'est terrible. Ouais, yeah. Superbe. Ah c'est ça, Pierre Morel, il va falloir qu'il vienne commenter, hein, je pense. Il fait tout, il fait le score, et ben vous l'avez entendu. Deux points de plus. 12 à 8. Et là, on est vraiment Money time. Dans Money Time, 11e main, 1h20 de jeu. Ah, je pense que vous êtes. Ça y est, on vient de passer la barre des 4000. Donc vous êtes, je l'espère, et comme nous, en train de vous régaler, en train de regarder cette belle première partie. On a bien choisi, je pense, parce que il y a du suspense. Peu de boules manquées de part et d'autre. Ces deux équipes qui se connaissent bien, ouais. Les trois de chaque équipe ont l'habitude de jouer ensemble. Ça. Il est beau. Alors ils n'ont pas forcément beaucoup joué ensemble, hein, Pierre Morel, Tyson et Ben, hein, Pierre qui a passé l'année 2020 au Canu, mais on sait que cette année 2020 était vraiment tronquée et qui a décidé cette année de changer, hein, de club, donc il sera resté qu'une année. Il va rejoindre la pétanque Montpezatèze dans le Tarn-et-Garonne pour jouer avec Sony Evan et Mason Durk, je crois. D'accord. T'es plus au courant que moi. Ah mais. Ah gros. Hein ? Ouais. C'est pas qu'on veut pas. Hein. Pierre Morel est un demi-finaliste l'année dernière avec Tyson Molinas et Sony Evan ici même, ouais. Dans cette grande finale.
Allez, Fifi. Allez, Philippe Suchot. Fort. Fort. Bien, bien. Ça suffit, il a cadré, ça voulait rester. Encore un coup bon. Hein? C'est dans bouchonné encore. Super. Ouais, bien. Philippe. Allez, vieux. Philippe Quintet qui a presque pas le droit à l'erreur. Ouais. Ils sont cadrés deux fois. Hein. Alors, tout boule manquer peut. Ah, après, tu vas plus loin après. Ça peut devenir compliqué. Aïe, 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 aïe. Toujours quand on dit ça, de toute façon, que ça arrive. Alors, 3 boules à 3, 12 à 8 pour les roses. Et 13 par terre. Ouais. Il pourrait qu'on parte au bouchon, là, hein, côté bleu. On va les écouter. Sur bouchon. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas d'autres possibilités là pour s'en sortir. Oui. Allez Philippe. Allez, ils ont deux boules pour le faire. Ah, il a bougé, vous l'avez vu. Et ça ne suffira pas. Allez, ben Manu Lucien, il n'a pas tiré de boule encore et maintenant c'est le but carrément pour lui. Oh, oh là là. Eh ben c'est fini. C'est fini, ouais. Bien joué. Eh ben Flo, on peut dire que ça a été serré, puis il y a eu un renversement de main sur cette sortie de but de Ben Molinas et après ben ils ont. Sortie de but et puis de main de 5 au bout. Ouais. Grosse main prise et puis. Les bleus ont lâché. Ouais. C'est pour dire hein, que c'est du haut niveau. Hein, cette grande finale PPF, ils étaient bien partis, les bleus. Et puis une main qui a tout renversé. Et puis finalement, en trois mains après, et ben, tout s'est renversé. Ouais, chacun n'a pas forcément saisi les opportunités qu'ils avaient de gagner. Et... Je pense que la victoire des roses n'est pas volée. Non, c'est loin clair. De là. Bah écoutez, on s'est régalé. Flo, merci de nous avoir accompagnés pendant cette première partie. Merci tu reviens à vous. Quand tu veux. Et bien nous, on se retrouve dans un petit quart d'heure, une vingtaine de minutes, vous voyez, vers 15h15. Là, il est 15h. Donc on va prendre une petite respiration, on va laisser les joueurs aller boire un coup entre les parties et retrouvez-nous dans un petit quart d'heure pour la suite, la deuxième partie, la partie des gagnants dans cette grande finale PPF. Messieurs, Flo, un grand, grand merci. Merci à toi Vincent. Et puis à bientôt. À très très vite. Ouais. Et puis n'oubliez pas le site Eldera et la page Facebook d'Eldera pour avoir toutes les infos sur tous les sports. Hein. Maintenant vous êtes présents de partout. Donc, si vous voulez avoir leur actualité, vous n'hésitez pas à y aller. Merci à tous et on se retrouve dans une vingtaine de minutes sur la Web TV PPF. À tout à l'heure.